Enchanté Léonard. Ferdinand. Salaud. Oh putain, on n'y arrivera jamais à passer la lettre. Salut à tous. C'est quoi aujourd'hui? Histoire de lettres. Le 4. Histoire de lettres, pour ceux qui savent pas, on prend l'alphabet, on commence une phrase par A, patate enchaîne sur B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, bim. Du coup, on a, l'alphabet devant nous, fond vert derrière nous, on se met un contexte et on commence la vidéo. Moi, c'était dans un train. Oh, dans un train, c'est marrant. Attention, 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 excusez-moi, hop. Enculé. 1, 2, 3. Attention. Allez, dans le rôle, dans le rôle. Attention, excusez-moi, hop, pardon. Je la refais, mais sérieux. Ouais. Attention, attention, excusez-moi, je pose ma valise, pardon, merci, excusez-moi, excusez-moi. Mais dis donc, vous êtes pas gêné, mon petit? Ah, c'est vrai que je suis désolé, excusez-moi, mais c'est mettre la valise, pas saison. Puis, y a du monde en plus à cette heure-là, wouh! Drôle de personnage. Effectivement. Le renard, le, je sais pas quoi dire. Effectivement. Je m'appelle... En fait. Effectivement, monsieur Lalar. Non, je refais, c'est bon. Attends. Effectivement. Attends. Effectivement. Putain. T'es plutôt enchanté parce qu'effectivement, ouais, ouais. Du coup, on était comme ça? Ouais, drôle de personnage. Drôle de personnage? Ouais, drôle de personnage. Enchanté, Léonard. Très bien. Pour vous servir. Pourquoi je rigole à ça? Je sais pas, Excusez-moi. Ah, attends. Non, allez, sérieusement. Allez, hop. Je reprends mon rôle de personnage un peu sévère. Ouais, enchanté. Non, tu dis pas de prénom. On recommence. Je vais le dire après. Enchanté, Léonard. François, pour vous servir. François. Edith. C'est pour toi. Pourquoi tu rigoles? Non, excuse. Allez. Enchanté. Non, putain. Mais me sens pas François, Fabien, c'est très bien. Allez. Enchanté, Léonard. Ferdinand. Salaud. Oh putain, on n'y arrivera jamais à passer la lettre. Putain, enfin. Ferdinand. Léonard. Allez. Allez. Enchanté, Lucien. Salope. Non, allez. Putain, on va jamais y arriver. Enchanté, Léonard. Allez, ouais. Tu ne sens pas faire du mal. Allez. Enchanté. Quel drôle de personnage. Drôle de personnage. Enchanté, Léonard. Fabrice. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Allez, drôle de personnage. Putain, il y en a trois phrases là. Drôle de personnage. Enchanté, Léonard. Fabien. Non, j'avais pas envie de Fabien. Et avec le G, je dis quoi? Je dis ce que tu veux. Je vais t'aider. Allez, sérieusement. Enchanté, Léonard. Fabrice. Fabrice, ça passe pas. Oh putain. Bon, allez, c'est parti. Fabien, on va prendre Fabien, ouais, parce que normalement, Fabien, ça te... 1, 2, 3. Enchanté. Non, putain, c'est chaud. Enchanté, Léonard. Fabien. On vous a... Putain, fais chier. Non, mais... Ouais, que je dise pas de prénom.
Faut-il que je me présente? Ouais, grave. Gros, je m'en bats les couilles. Ah ouais, toi t'es le vieux, puis moi je suis le chat, tu sais. Enchanté, Logan. Non, Léonard. Putain. Allez, 1, 2, 3. Je me présente ou pas? Maintenant, tu dis faut-il que je me présente? Gros, je m'en bats les couilles. Ouais, super. Allez. Drôle de personnage. Enchanté, Léonard. Faut-il que je me présente? Gros, je m'en bats les couilles. J'ai dit E. Gros, je m'en bats les couilles. Heureusement que vous n'êtes pas mon fils. Ce langage lui aurait valu une punition. Il a pas de chance. Il a pas de chance de vous avoir comme père. Je crois que cela ne vous regarde pas, mon cher. Oh putain, car... Oh, bah, dis, oh. Quoi? Ça veut dire quoi, oui, les jeunes, ils parlent comme ça. Quoi? Avec un cœur? Non, Quoi? Putain, quoi, c'est dur. Ouais, mais quoi, là? Kiwi. Ok, vas-y. Kawasaki. Vas-y, refais ton truc, là, je... Je ne me rappelle plus. Ouais, ben bref. Kiwi, je vais me faire un kiwi. Il est où, mon kiwi? Dans ma valise. Moi, j'irai le chercher plus tard. Le litchi est bien meilleur, mon cher. Malgré ça, je préfère le kiwi. Et ça vous regarde pas, d'ailleurs. Nom de Dieu! Vous allez vous calmer, hein, et me parler sur un autre ton. Oh, vous me touchez pas! Punaise! Punaise! Ah ouais. Bah, je suis vieux, hein. Ouais. Attends, bon, bah, je me remets dans le rôle. Je suis un vieux. Tu redis punaise, là? Oui. Clairement, prépare-toi mentalement. Vas-y. Punaise! Quoi? Mais quel garçon mal élevé! C'était con. Punaise, quoi? Si, refais. Putain. Oh la gueule. Allez, 1, 2, 3. Personnage. Allez, vas-y. Personnage. Punaise, mais que vous êtes mal élevé, mon garçon! Quoi? On est en 2020? Voilà, c'est... Ok, je... restez hors de ma vue. Oh salope. Elle m'a encore trompé, elle m'a trompé. Ça fait deux fois qu'elle me trompe. Ma bobine. Il est blessé. Mais j'ai dit restez loin de moi, là, le mec qui me parle de sa copine, quoi. L'histoire de merde. C'est parti pour dire t'es sérieux, mais bon, je suis un vieux. Donc, Tapin. Cette jeune femme doit faire le tapin. Un peu qui a fait le trottoir. Une grosse chaudasse, une chaudière. Oh, je me tape le... Bah tiens, elle s'appellera Wendy. Oh, j'ai dégoûté, parti sur le trottoir. Elle s'appelle... J'aurais dû dire trottoir aussi. Vous pourriez me la présenter. Waouh. Elle s'appelle Wilfried. Ah, là, ça vous a... Waouh, elle s'appelle Wendy. Xylophone. J'espère qu'elle aime le xylophone. Il connaît pas ce mot-là. Vous avez qu'à ouvrir un dictionnaire. J'ai remarqué un truc, vous avez... Quand c'est sur la lettre Z, vous avez un accent, mais... Allez, c'est la fin de l'histoire. Ah, putain, elle était bien. Oh. Yep, on se retrouve là. Du coup, bah moi ça m'a fait rire cette petite vidéo de train là. Non bah voilà, je trouve que le fond vert apporte un truc, mais j'ai peur que mes fonds verts soient dégueulasses. Donc voilà, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Il y en aura d'autres parce que nous on adore faire ça, ça nous fait rire et j'ai piqué ton nez. Pardon. J'ai piqué ton sexe. T'es un enfoiré. Enfoiré, va. Bizarrement, on est plus gros que ton sexe. Du coup, allez sur les réseaux, Facebook, Insta, Twitter, Snap, Discord, TikTok, venez nous suivre, on parle, on met des photos, on met des trucs drôles. Et comme dirait l'autre... Et comme dirait l'autre... À vous les studios.